Bonjour mes chers abonnés. Dans ce nouveau reportage, je suis partie à la découverte des décors de l'ancienne chancellerie d'Orléans, qui porta aussi le nom d'hôtel de Voyer, du nom de l'un de ses propriétaires sur lesquels nous allons revenir, et qui autrefois se situait au cœur de Paris. Des décors sauvés et remontés dans certains salons de l'hôtel de Rohan, dans le Marais, un hôtel particulier qui abrite une partie des archives nationales. Les travaux de remontage, chantier absolument colossal, viennent à peine de se terminer. Pour vous raconter cette histoire fabuleuse et vous parler des trésors artistiques de ces décors, je suis allée interviewer la passionnante Sabine Melot. Donc, bonjour, je m'appelle Sabine Melot, je travaille ici aux Archives nationales au sein du département de l'action culturelle et éducative où je suis responsable de la valorisation auprès du public des espaces classés du site historique des archives à Paris dans le quartier du Marais. Donc on se trouve aujourd'hui dans les décors remontés à l'hôtel de Rohan de l'hôtel de la chancellerie d'Orléans. Cet hôtel particulier a été construit au début du XVIIIe siècle, entre 1703 et 1705, sur le bord du jardin du Palais Royal, qui appartient à l'époque au duc d'Orléans, le neveu de Louis XIV, qui laisse à ce moment un terrain longeant son jardin à l'abbé Dubois, qui est son précepteur et son homme de confiance, qui deviendra son ministre pendant la Régence. Et l'abbé Dubois fait construire cet hôtel par l'architecte Germain Beaufranc. Et rapidement, malheureusement, l'abbé Dubois se retrouve chassé de son hôtel par son protecteur, le duc d'Orléans, qui décide d'y installer sa maîtresse du moment, Mademoiselle de Séry, qu'il veut loger là, à côté de son palais. À cette occasion, il va demander à Beaufranc d'embellir et d'enrichir la décoration de l'hôtel, notamment en donnant au grand salon un magnifique plafond par Antoine Coypel, qui est le peintre favori de la famille d'Orléans et du duc en particulier. Il illustre le triomphe de l'amour sur les dieux de l'Olympe, qui sont chacun représentés aux prises avec des petits amours ailés qui, envoyés par Vénus, viennent leur arracher leurs attributs. Donc on peut y voir Diane se faire enlever son carquois, Mercure se faire enlever son caducée, Apollon se faire voler sa lyre, etc. Seuls trois dieux résistent à l'amour, en quelque sorte. C'est Jupiter, dont le foudre brûle les doigts des petits poutis qui essayent de l'attaquer. C'est Minerve, qui, elle, brandit son bouclier contre les attaques des flèches des amours. Et c'est Saturne, qui, lui, vient récupérer par l'aile le petit amour qui lui a volé son sablier et sa faux. On peut voir donc dans ce sujet léger quand même une pointe de morale, puisque le dieu du pouvoir avec Jupiter, la sagesse avec Minerve et le temps avec Saturne sont les trois entités qui, elles, résistent à l'amour, contre lesquelles l'amour ne peut au bout du compte rien faire. Malheureusement, également pour elle, elle ne va pas pouvoir rester très longtemps à Paris, puisque le roi, l'oncle du duc, va lui demander de se faire plus discret sur sa relation avec elle et il va l'envoyer en province. Et donc dès 1710, Mademoiselle de Séry quitte l'hôtel et l'hôtel va rapidement tomber dans l'escarcelle de la famille Voyer d'Argenson, qui est une famille de noblesse, grands serviteurs de la couronne et de la famille d'Orléans, puisque ses membres ont donné plusieurs chanceliers à la famille d'Orléans. Le chancelier de la famille d'Orléans, c'était son homme de confiance qui gérait